Yo, what's up, gang? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Totosh Gang, Evan Gang, Bobby Gang, Loni Gang. On fête Chase aussi gang. Les 100 000 abonnés. Le chef. Ah oui, t'as raison. Je suis dépassé, ils ont fait l'intro sans moi. Enfin bref, on espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne avec Ted Jackson au complet cette fois. La dernière fois, Moby n'était pas là. Bon, voilà. Vas-y. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Veuillez accueillir Moby, s'il vous plaît. Je suis un ancien. Moby, on va faire un petit jeu pour ceux qui connaissent pas qui s'appelle le jeu des 5 secondes. Enfin, il s'appelle 5 secondes tout court en fait. Et en fait, c'est très simple. Là, on a des cartes. Il y a des questions face jaune et face rouge en fait. Et en gros, on a un timer. Timer du coup, 5 secondes pour répondre. Là, je retourne le timer. Hop. Tac. Une fois que les petites billes du sablier arrivent. Une fois que les petites boules du sablier sont arrivées en bas, ça veut dire que les 5 secondes sont écoulées. Donc du coup, la personne qui n'a pas répondu à la question à la fin des 5 secondes imparties ne marque pas de points. Tout le monde aura une carte passe et une carte change. Si la question qu'on te pose ne te convient pas et que tu veux utiliser ta carte passe, tu la sors, tu la dégaines et du coup ça fait que la question arrive à la personne suivante. Si la personne suivante répond correctement à la question, elle marque son point. Si elle répond pas, celui qui a utilisé la carte passe marque le point. Ensuite, on a la carte change. On te pose une question qui ne te convient pas. Carte change, changement de question. Si tu réussis, tu marques le point. Si tu réussis pas, tu ne marques pas le point. Et ce sont des jokers, on en aura un chacun. Apparemment, d'après les règles du jeu, c'est au plus jeune de commencer. D'après ce qu'il dit. C'est moi le plus jeune, en vrai. Quoi ? Ouais. Je passe le brevet là tout à l'heure. Tout à l'heure là, à 23h. Vas-y. Moby commence. Donc du coup, ça fait comme ça ? Ouais, c'est ça. Donc. Ok. 5 secondes sur la chaîne de chaise. Et pas l'arrête, monsieur. Moi j'aime que les pestes. We are the world that can bend it, so let's back in it. C'est quoi la musique? What? Attends, il a dit j'ai pas la musique. Tu rigoles, sortez le refrain. Mais c'est le refrain. Non, il fait exprès. Tout est en place. Evan, tu donnes le paquet de cartes. Cite-moi 3 synonymes du mot argent. Argent, plata, monnaie, mapesa. Attends. Non, monnaie, ça compte pas, c'est anglais. Attends, on a dit synonyme, il a dit plata, je suis désolé, plata, on prend pas. Bah pourquoi? Il a dit monnaie, on prend pas. Plata, on prend pas. Plata, on prend. Merci. Plata, oui, mais monnaie, on prend pas. Mais on a dit synonyme, on a pas. Vous savez quoi, c'est la rue, on va. Attends, du coup, si on met le système de points, on fera un classement, mais du coup, le gagnant sera le premier arrivé à 10 points. Bon, après, le Jersey Mobile a tout bon, il arrive pas bien. Cite 3 émissions d'actualité ou journaux télévisés. TPMP, les princes de l'amour, les anges de la clarité. Quoi? Ouais, je m'attends. Cite 3 émissions d'actualité ou journaux télévisés. Actualité ou journaux télévisés, il a dit les princes de l'amour. Attends, c'est quoi l'actu? L'actu de Nazareth? Peut-être de Manchester City. L'actu de Cancun ou l'actu de Dubaï? Cite 3 émissions d'actualité ou. C'est marqué où? Donc j'ai le choix. Ah oui, c'est vrai. C'est une émission d'actualité. C'est vrai. Il marque un point. Ok. Cite 3 noms de pizza. Margarita, Oriental, 4 fromages, Campagnard. Wesh, c'est carré. Je tombe le récit, moi j'ai l'impression que ça va être moi, je vais perdre. Cite 3 choses que l'on peut mettre sur un gâteau. Des fraises, du chocolat, de la crème. Vanille, la crème du chef. Mais qui met du chocolat sur un gâteau? Bouli chocolat. Evan, toi tu cherches la petite bête, hein. Ouais, oui, évidemment. Evan, il va bien perdre. Regardez la question bien compliquée. Cite 3 noms de morceaux de bœuf. Frère, mais je connais pas. 3 noms de morceaux de bœuf, quoi. Bœuf, viande, hachis, par moi, je sais pas. Pourquoi un morceau de bœuf? Bœuf, c'est pas une viande. Entrecôte, chacun sa chance. Chacun sa chance. T'as vu, ils ont quoi, nom de pizza? Nom de truc, moi, je trouve que. Je fais Aloni? Ouais. Alors là, je vous jure, mon balai que tu trouves. Cite 3 raisons d'envoyer un faire part.
Je vous jure, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est notre problème? Mais je ne savais pas c'était quoi des noms de mecs. Gros, oubliez pas, vous avez une carte passe, une carte change. Une carte passe, une carte change. Je peux utiliser, mais je n'ai pas compris. Je ne sais pas. Ah, bah si, c'est pas. Tant pis. C'est une invitation par carte, pour un mariage, pour les trucs. Pour un mariage, pour un événement, pour un baptême. On change de question, s'il vous plaît. Non, il ne savait pas c'était quoi de meuf. Je ne savais pas c'était quoi, moi. Dans ce cas-là, il fallait passer. Passe direct. Ouais, ça veut me couiller, vas-y. Non, c'est toi, t'es nul. Oui. Cite trois choses que l'on trouve dans un cabanon. Des outils pour le travail, un vélo, des planches de bois de travail. Ouais, ça marche, planches de bois. Vas-y, on valide. Moi, j'ai quand même Des planches de bois pour le travail. Bah non, c'est vrai. Parce que dans le cabanon monte en haut, il n'y a que ça, en fait. Totosh, cite trois choses avec lesquelles on peut écrire. Un stylo, un crayon papier, un critérium, un feu. Je me disais que c'est pas plus difficile. Cite-moi trois appareils électroménagers. Micro-ondes, frigo et four. Pour micro-ondes et four normal. Bien vu. J'ai 0 points. Ouais. Attends, du coup, ça fait 2-2-2-1. Et quoi? 0-0. Pour l'instant. Vas-y. Cite trois types de coiffure. Frange, crête, dégradé. Wouh, wouh, rapide. Wouh, ouais, yes, yes, yeah. Got it, yeah. Cite trois inventeurs. Albert Einstein. Non, c'est fini. Comment t'as pu passer à côté de Newton? Ouais, j'ai Newton. Newton, Pasteur. Pasquier. Ouais. Pasquier, c'est pas la marque de... Non. Tu ça fait quoi? Un. Ah, mon homme nouveau. Cite trois voitures de luxe. Lamborghini, Mercedes, Volkswagen. Volkswagen, c'est pas luxe. Non, c'est pas des voitures de luxe. C'est pas luxe. Volkswagen. Renault, Peugeot. Non. Totoche, cite trois pierres précieuses. Le diamant, l'émeraude et la pierre de jade. Pierre de jade, C'est pierre précieuse, cherche moi. Okay. Ma cousine s'appelle jade. Hey, Totoche, il répond sereinement. Ah, poto, moi je suis là pour gagner. Non, mais j'aime pas les gens comme ça. Moi je suis là pour gagner, frère, pas de blabla. Cite trois endroits où l'on peut pêcher. À l'église, au lac, dans l'océan. Ok, fuck. Non, fuck. Non. Fuck. Quoi? Baissez la pêche! Mais ouais, on va pêcher à l'église! À l'église! Tu vas pêcher à l'église! Tu vas pêcher à l'église! Bah oui, tu vas. Non, mais en fait, c'est même. C'est le pire! C'est la pire réponse que tu peux donner! Ça va pas ou quoi? Non, mais ça va pas ou quoi? Mais on te parle pas de pêcher en mode tu fais un péché! Mais il est malade! On te parle de pêche! À la limite, il aurait dit club de striptease! C'est le pire! En gros, tu vas aller pêcher! C'était trois types de gâteaux. Gâteau chocolat, gâteau sec, gâteau vanille. Les types de gâteaux. Il a dit gâteau chocolat, gâteau sec, gâteau vanille. Bah, c'est bon. Non. Non, mais. Un cake. Ah, tu réponds 4 cartes à la fin. Un cookie, pardon. Gâteau sec, cookie. C'est quoi gâteau sec? Un cookie. Vas-y, je comprends pas les questions, frère. Allez, alors là, cite-moi trois fleuves de France. Le lac, la Seine. Il passe le bac dans ses joues. Mobi, c'est honteux. Mobi, tu connais... Toi, t'as des lacunes, toi. Toi, t'as des lacunes, par contre. Mobi, tu connais la Loire. Tu connais... Ouais, la Seine. La Seine, la Garonne. La Garonne. Voilà. Il a dit le lac. Cite trois unités de mesure. Du coup, oulala, oh putain, merde. Oh là là. Centimètre, mètre et kilomètre. Bah, millimètres, centimètres et... Ouais, je me suis humilié pour ça. Oh là là. Totoche, si trois présentateurs d'émissions télévisées. Patrick Poivre d'Arvor, Christophe de Chavannes, Titoff. Titoff, c'est... Non, c'est pas Titoff, c'est qui l'autre? C'est Vincent Lagaffe, tu confonds. Ouais, Titoff, c'est le chanteur. Titoff. C'est l'humoriste. J'aurais dû dire à Rémo Zelmak, un bail comme ça. Il a dit Titoff, hein. Cite trois films ayant eu une suite. Star Wars, Twilight, Spider-Man. Wouh. Regardez. BAU! Il couille qu'à son. Cite trois mots commençant par la lettre Z. Z, zèbre, Zanzibar et Zimbabwe. Allez. Easy. Cite-moi trois animaux qui volent. Un aigle, un pigeon, un hibou. Wouh! Ah, bon, c'était facile. Cite trois plats servis en entrée. Une salade, la radis. Ou des... c'est fini, à la cantine. Non, c'est des bâtards, vous êtes des bâtards, putain. Eh, à chaque fois, on fait des... Non, mais genre... Tu sers des radis. Tu sers pas juste des radis, genre. Attendez. Ouais, c'est un lapin ou quoi? C'est tombé dans le piège. Là où les radis avec du beurre, oh, ça date. Les radis avec du beurre. C'est éclaté. Et du sel. C'est claqué. Moi, j'aime bien. Cite trois choses que l'on trouve dans le désert.
On l'a déjà vu. Des palmiers à un oasis du sable. C'est tellement facile. Yes. Palmiers dans le désert. Oui, il y a des palmiers quand il y a des oasis. Il y a des palmiers. Je suis surpris qu'on avait déjà vu la question qui était là. Ah bon? Je l'ai dit au début qu'on a déjà vu la question. Mais ouais, non, mais il l'a pas vu. On sait qu'il l'a pas vu. Ah, moi je sais. On sait qu'il l'a pas vu. Vas-y, fais comme vos questions trop faciles. Cite 3 fromages. Quoi? 3 fromages. Le Cantal, le Roquefort, le Saint-Félicien. En plus, il a pris du retard. Il avait quoi? Alors, j'ai bien articulé. Cite 3 fromages. Cite 3 choses présentes dans chaque ville. Un lampadaire, une poubelle et un tuyau d'arrosage. Non, une bonbonne. Magasin. C'est mon magasin. J'ai un magasin. J'ai un magasin. Ouais, je crois que t'as pas dit une mairie déjà. Le truc est plus simple. Mairie, poubelle, arrêt de bus. De l'air, du CO2. Ah, je suis mort. Attends, va faire. Cite 3 choses en bois. En arbre. Une épée, un stylo. Encore un arbre, une épée, un stylo. Un stylo en bois? Oui. C'est écrit en papier. Mais attendez, un arbre, c'est forcément en bois. Ça compte pas, c'est un pléonasme. Chef, donne-moi 3 choses en bois. Bah en bois. Non, si, ça compte. Moi, je trouve que c'est validé. Allez, trois, là. Non, vas-y, c'est validé, mais... J'aurais jamais pensé à dire arbre. Cite 3 endroits où on peut trouver de l'eau. Un oasis, un robinet et une bouteille d'eau. Bouteille, enfin, c'est pas un endroit, mais bon, calme. C'est pas un endroit. Ouais, c'est vrai, c'est... moi je sais pas. Bon, franchement, c'est pas un endroit. Bouteille d'eau, c'est pas un endroit. Je suis mitigé, hein. Je pense qu'il faut voter. Ouais, à la limite. Genre Oasis là qui est. Oasis, ouais. Ouais, non. C'est... Bouteille d'eau, c'est pas un endroit. Bouteille d'eau, c'est pas un endroit, en vrai. C'est une blague. Cite 3 choses brûlantes. Le feu, les plaques de cuisson, l'intérieur du four. Eh, c'est bénin, je suis trop intelligent. Vu, il a des trucs trop faciles. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Ça me rend super malade, vraiment. Cite 3 magazines de la presse écrite. Voici, Le Parisien, Écho. Écho? 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 Il bluffe. Ah! Si, Écho, mais je sais plus si c'est les zéros ou si c'est Écho. A-E-C-H-O-S. Ouais. Attends, non, fallait pas lui dire c'est... Mais si, c'est ça, moi je pense à ça. Les échos, c'est les échos. C'est les échos, c'est les échos, putain. Moi je l'aurais donné pour après, vous t'en trouvez, mais moi je l'aurais donné pour c'est vraiment. Moi je donne. Ouais, oh, ça fait pas de mauvais soir. C'est la blague, let's go. Yeah. Écho, c'est vrai. Cite 3 pilotes de Formule 1. Passe. Passe. Bobby, c'est à toi. Passe, enculé. Vas-y, le lisse à toi. Passe, c'est ça. Moi, bah, mais j'ai même plus le temps. Non, mais attends, t'inquiète, je te remets, donc c'est à toi du coup. Schumacher, Verstappen et Hamilton. Bravo. Vous savez quoi? Pour le double passe, pour moi, tu marques 2 points. Non, si, bah si, wesh, double passe. Wesh, c'est moi, c'est quoi ma gueule? Wesh, il a des questions, qu'est-ce qu'il y a en bois? Et moi, je pense qu'il y a 3 pilotes de Formule 1. Donc, du coup, vous deux, vous marquez aucun point et c'est Lonis qui prend le point. Totoche, cite 3 activités de parc à thème ou d'attraction. Toboggan, montagne russe, balançoire. C'est validé. Cite 3 livres adaptés au cinéma. Harry Potter, Star Wars, Twilight. C'est ce qu'il a dit. Des questions là, il a fait répéter ce qu'il a dit. Non, t'as dit Spider-Man. Harry Potter. Harry Potter. Là, c'est lourd. Elle est question de couillon, je vais me. Tenez un peu de cartes. Il me pose une question. Ah. Vas-y, le. Là, c'est une carte couve en plus. Cite 3 pièces que l'on trouve dans un moteur. Bon, tu passes le terminal là, normalement, ouais, t'as pris au code ça. Vous avez vu, ça va nuire quelqu'un. Mais bon, allez. En fait, Evan, il fait comme si c'était de notre faute. Gros, c'est le hasard. Regardez mal les questions, vas-y. Cite 3 formes géométriques. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est dur. Mais qu'est-ce que c'est dur. Moi, je vais arrêter. C'était sûr. J'en ai marre, ma gueule. Dans la vidéo qui de nous 5, on avait dit ouais, c'est qui le plus con et tout. Moi, j'ai dit cette vidéo, elle va mettre tout le monde d'accord. C'est des questions simples. Mais vous avez vu la différence? Moi, 3 formes géométriques. Moi, j'ai pas vu la différence. Moi, j'ai pas vu la différence. Cite 3 animaux visibles lors d'un safari. Alors, on a le lion, le tigre, le zèbre. Waouh, trop bien. Bon, on est où? Madagascar. Cite 3 devises étrangères. Hasta la vista, bella ciao, cogna maman. Non, mais attends. Pousse. On est d'accord qu'une devise, c'est un type de monnaie. C'est comme ça. Ah, c'est une devise. Bah oui. Ah, j'ai compris une devise. Une parole, c'est ça. C'est comme une devise. La devise, c'est la monnaie. Oui, je sais, mais une devise. Mais il peut jouer sur les mots. Oui. Moi, je dis, ça marche. Moi, ça marche pas. Moi, je dis, ça marche. Moi, ça marche pas. Parce que le premier truc auquel t'es censé penser, c'est ça. C'est moi, ça marche. Après, pour voir. Cite-moi 3 pays d'Asie. Vietnam, Japon.
Cambodge. Non, là, je regardais le time, je flex un peu ou quoi? Moi, je flex. Evan, c'est pour toi. Evan, elle est pour toi celle-ci. Cite trois choses qu'il faut brosser. Un chat, un chien, un cheval. Oui. Moi, trois mots finissant par id. Oui. Hybride. Non. Attends, si mais ça marche. Bah voilà, mais pourquoi il me dit non, frère? Vas-y. Oh, Bobby, tu triches, vas-y. Retourne. Bobby, 15 secondes. Merde, ça fait 15 secondes, wesh. Allez, hop, c'est mort. Mais ça triche, Bobby. Cite trois actrices françaises. Marion Cotillard, Vanessa Hadid. Alexis Texas. Cite trois personnages de Walt Disney. Dingo, Mickey, Mimi. Yes, ça. Bah oui, c'est quand on lui demande les dictateurs du Cambodge là, c'est quand on lui demande. Bah ouais, frère. Cite trois parcs ou jardins. Jardin botanique. Parc à Port Aventura. Oh non, fallait dire Astérix. Fallait dire Jardin des Tuileries. Cite trois Daniel célèbre. Daniel Denis Brognard. Daniel Balaron. Daniel Riolo. Je sais pas, frère. T'as bien le Riolo, ouais, c'est pas ça. Ben, tu connais pas? Si, trois choses nécessaires pour le camping. Un brosse à dents à laver et un truc, une tente. Non, t'as perdu. Brosse à dents à laver. Un brosse à dents à laver. Mais ça fait deux dans tous les cas. Brosse à dents à laver. Un brosse à dents à laver. Un brosse à dents à laver. Manège. Non, ça, gros, ça sert de cette chicken. Ça sert à rien. Si, trois choses se trouvant dans un cirque. Un éléphant, des ballons et des clowns. Mais lui, il a dit tous les animaux. On lui demande les safaris, et après on lui demande tout ce qu'il y a dans les cirques. Il a cassé tous les animaux de la terre. Cite trois créateurs de mode. Van Gogh. Voilà. Voilà, c'est que... toi. Voilà. Ouh, par contre, on ne mange pas des rubis. C'est pas ce qu'il fait. Attends, il a dit quoi? Il a dit Van Gogh. Quel... Oh là là. Alors, Totoche. Mais c'est bizarre quand même. Allez, les rageux là. Cite trois slogans célèbres. La France en marche. Non, la question elle est super dure. C'est facile. Non. Dire ça en 5 secondes. Nous le valons, L'Oréal nous le valons bien. Oui. Nike, just do it. Haribo, c'est bon. Haribo, c'est bon. Non, mais même en 5 secondes, les gars. J'oublie les marques. Cite 3 épreuves d'athlétisme. Bah, le saut à la perche, le saut en longueur et le saut de haie. Le saut de haie, c'est pas une discipline. Si, saut de haie. Saut de haie, quand tu cours, tu te... Oui, c'est ça. Il y a saut de haie. Oui, c'est ça. Mais pourquoi tu veux me nuire, toi? C'est une dernière dure comme ça, non, les mais gens. Attends, il me donne le doute, là. Ah, mais attends, est-ce qu'on lui laisse, genre? Chef, parce que c'est sur orthographe, c'est important. C'est course de haie. Au début, ça a dit c'est la rue pour un truc. 100 mètres haie, 200 mètres haie, 500 mètres haie. Oui, c'est la course. D'accord, c'est faux. C'est moi, c'est pas bon. Ah, donc, au tout début, ça a dit c'est la rue pour un truc qu'on accepte et moi, ça on accepte. Comment c'est la rue? La plata, c'est un synonyme d'argent, je suis désolé. Gros, t'as dit saut de haie. Saut de haie, ça dit. Est-ce que quand tu cours, tu sautes? C'est pareil. Oui, tu sautes la F. Non, c'est pas le nom de la discipline. Vas-y. C'est quoi? Trois. Non. Trois épreuves d'athlétisme. Saut de S, ça n'existe pas. Cite trois choses que l'on fait entre amis. On rigole, on mange et on se branle. C'était sûr. C'est pas validé. Non, des vrais frères, ma gueule, ça se partage tout ça. Non, entre amis, on se branle pas, non. Non, allez, mais Moby. Non, moi je le fais pas, mais je suis d'accord avec Moby. Moi, je le fais pas. Qui vote contre? Allez, hop. Arrêtez, mais arrête. Voilà, c'est bon, on est la majorité, fin. Bon, en commentaire, dites-nous si on se libre en James. Si on se libre en James entre amis. Vas-y, pose-moi une question, chez Spitier. Si trois choses ridées ou plissées. Une femme. Les joues. Une feuille. Il est vieux, je crois. C'est bon. Oh non, j'allais dire, mais après, c'est bien dit une femme. C'est bon. Écoutez bien. Pourquoi tu montes comme si c'était dur? Vous avez vu, c'est la casse sur moi. Evan, cite trois épreuves des Jeux Olympiques d'hiver. Ok, le bobsleigh, le ski et le snowboard. Ouais! Tu me fais stresser en rigolant comme ça. Cite trois choses que l'on trouve sur un arbre de Noël.
des cadeaux, des trucs qui sont bons, ta mère. Mon pire, des guirlandes, des boules, des cadeaux. Des guirlandes, c'est sous le sapin. Ouais, en plus, les cadeaux, c'est sous le sapin, c'est pas sur le sapin. Guirlandes, lumière. L'aide. Cite trois capitales de pays européens. Alors, on a Paris, on a Londres et on a Madrid. Non, Londres, c'est plus en Europe. Londres ne fait plus partie de l'Union Européenne, mais ça fait partie de l'Europe. Ah, comment c'est pas, s'il vous plaît? Je vais t'apprendre l'histoire géographique. C'est vrai? Non, mais d'accord. Oui. Mais d'accord, c'est vrai. Oui. Soyons pas stupides. Ça y est, il a gagné. Ah, chef. Cite trois actrices ou acteurs comiques. Louis de Funès, Gérard Depardieu, Johnny Depp. C'est bon. C'est comédie. Jack Sparrow. T'as du point, du coup. Je suis deuxième. Oh mon dieu. On fait juste un podium à 3. Après les deux autres, c'est. Pour moi les deux derniers, c'est dernier. Mais dis ça parce qu'il a 9 points, frère. Ouais. Mais non, parce que. Là, un podium. Ouais, un podium, c'est quoi? Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Exactement. Il y a la quatrième, il est à côté du podium. Il a le cinquième qui est. C'est lui qui prend la photo. 6-3 personnes. Frère Jacques, Pomme d'Arnette et Pomme d'Api, l'araignée gypsy. Troisième, j'espère que vous êtes prêts pour cette petite finale. Pour départager qui sera quatrième et qui sera cinquième. Donc là, du coup, j'ai redonné une carte passe et une carte change à Evan et Moby. Et là, du coup, en fait, ça va être du tac au tac. Question, tu sais pas répondre, tac, tu changes, tu passes, tu truc, etc. Jusqu'à déterminer qui sera mon dernier. Evan, cite trois mots commençant par tri. Trimestriel, trimensuel et tri. Le tri. Moby, cite trois pays dont le drapeau comporte la couleur verte. Algérie, Sénégal, Nigeria. Ouais, j'en avais trop. Nigeria, Mexique. Moby, cite trois façons de s'occuper dans un avion. Avec son téléphone, avec de la musique, avec une tablette, avec se ronger les ongles. C'est validé. Evan, cite trois choses allant par paire. Ok, une paire de chaussettes, une paire d'écouteurs et une paire de passes. Ouais. Evan, cite trois fonctions de l'ordinateur. Aller sur internet, mettre la lumière, s'informer et lire. C'était beaucoup plus. Moby, cite trois choses que collectionnent les enfants. Des jouets, des livres et des jeux. Jouets, jeux, c'est pareil. Non. Jouets, un doudou, un jeu. Un doudou n'est pas un jouet, c'est une peluche. Pour moi, c'est ça. Bah, après, là, si la majorité l'accepte. Vas-y, c'est bon, vas-y, prochaine question. Moi, je le valide. Cite trois protections utilisées pour faire du sport. Protège tibia, protège coude, casque ou genouillère, comme tu veux. Ils sont choqués quand ils sont l'un contre l'autre. Oh non, en plus, Evan m'a descendu toute la game. Moi, je suis pour l'équité, moi. Moby, cite trois hommes ou femmes d'affaires célèbres. Oh putain. Elon Musk. Oui. Elon Musk, Vladimir Poutine, Macron. Passe. Non, c'est passé. Bill Gates et Jeff Bezos. C'est bon. Oui. T'as arrêté. Evan, t'inquiète, tu peux te rattraper. Evan, cite trois choses que l'on peut accrocher à un mur. Ok, un tableau, un cadre, un manteau ou des bijoux ou des colliers ou ce que tu veux, t'accroches ce que tu veux à un mur. Moby, cite trois instruments d'un orchestre. Saxophone, violoncelle. Evan, cite trois mots qui veulent dire bonjour. Hola, allô, konnichiwa, hello, hola, bonjour. Moby, cite trois stades de football. Bernabéu, Camp Nou et Paris Saint-Germain. Oh là là. L'Olympique de Marseille. C'était le groupe. Du coup, tirer les câbles. Premier qualifié, le Nid, qui s'est un petit peu amusé sur la fin, voilà, qui s'est permis voilà, des petits passements de job, des petits flip-flaps, voilà, il s'est bien amusé. Ensuite, en deuxième, on a médaille d'argent. Mais en fait, c'est l'ordre comme ça. Toi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est déjà prévu. Ensuite, du coup, on a deuxième sur le podium, Totoche. Totoche voilà. King. Voilà, qui est un petit peu pâteau, voilà, qui a eu un peu de mal à sortir du groupe, voilà, du peloton. Ensuite, moi, j'arrive, troisième, médaille de bronze. Ensuite, quatrième, on a Evan. À l'issue d'une dure bataille,
Face à Moby, voilà, on a plus qu'à Moby, comme Moby qui a bien bataillé. Voilà, Moby, il a bien bataillé, c'est bien défendu. N'hésitez pas à rejoindre tous mes gars, tous mes Jackson sur le réseau qui sont juste ici et qui sont pas assez d'abonnés, les gars, vraiment, envoyez la force, s'il vous plaît. Sur ce, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. On vous fait de gros bisous. Ciao, les gars. Salut.